السلام عليكم، مرحبا بكم. ريفون تاع لما ديجيتال لا كوميونيتي تاع لو ديجيتال كاع فوالا. دونك كيما وعدناكم ان شاك فوا اون فاتريتي دي سوجي على لو ديجيتال. سيت فوا سي سا سرا لو سوجي سرا سور لا مارك هيومانيزي. دونك سي كوا اون مارك وعلاش قلنا لا مارك هكذا هيومانيزي. La marque donc a tendance à avoir des traits et un caractère tel, une personnalité humaine carrément. Voilà. Donc on va traiter le sujet en général. En tout cas, vous pouvez faire des appels carrément. Voilà. Donc vous pouvez faire des appels sur le profil tel, le Med Digital profil. Voilà. Vous interagissez ou même avec les gens directement ou leur poser des questions. Donc, le sujet, on va le traiter avec l'Akh Nasser Abdelli. Donc, tout d'abord, merci beaucoup l'Akh Nasser qui a fait cette dawa. C'est une deuxième fois. Voilà, merci. Je vous laisse le soin à la collègue de vous présenter l'Akh Nasser. Soukhir alaikum, merci beaucoup de nous avoir reçus. Soukhiane et Walid. Comme ça pour l'effort que vous faites pour l'initiation sur le marketing digital, l'audience d'accord. La belle Lima Digital est un projet fédérateur des efforts de tout le monde. Je gagne pas de l'auditorat à faire le marketing digital et aider l'audience à la vulgarisation des concepts marketing et aussi les entrepreneuriat. Ouais. Alors, c'est moi qui tiens à vous remercier pour cette invitation. Je vous souhaite plein de courage pour la suite. Inch'Allah. Je me présente brièvement. Nasser Abdelli, je suis formateur en marketing digital depuis presque une année d'accord. Je suis à la tête de Digitalent. On est une entité de formation dans le métier du digital. Alors, pour l'instant, on a deux formations en cours. C'est le how-to du marketing digital qui parle de la stratégie sur les réseaux sociaux, comment créer sa personnalité sur le web, comment créer du contenu. C'est fait pour la phase planification de la campagne de communication sur les réseaux sociaux. Et la deuxième formation, c'est le how-to du community management, c'est-à-dire la pratique quotidienne du marketing digital, la formation du staff pour gérer les réseaux sociaux et le marketing en ligne. Kima Kotsofian, le sujet dont je vais vous parler, Lyuma, ou la marque humanisée, les titres, la stratégie de communication marketing, pas seulement digital, mais le marketing en général. Parce que même la communication digitale, Jim Abel, la communication marketing classique. Ouais. Et juste pour souligner, je ne peux pas séparer le marketing classique et le marketing digital. C'est le marketing qu'on appelle classique qui a évolué grâce aux réseaux sociaux, où les réseaux sociaux ont aussi changé la donne pour le marketing. Un des points importants, se sont amplifiés avec les réseaux sociaux, ou le point que nous allons parler aujourd'hui, la marque humanisée. Et les traits de personnalité que les marques peuvent utiliser pour être proches du consommateur en tant qu'être humain. Machine, la communication robotique classique, voilà le produit, chérie. Non, c'est plus, ça va plus loin que ça, où il faut engager la personne de manière personnelle et humaine. Très bien. Donc, avant de commencer sur le vif du sujet, on va parler de la marque d'abord. On va parler de, autrefois, je pensais que c'était l'identité visuelle. Voilà, donc une marque doit avoir une identité visuelle. Mais après, je suis une écolo, une... personnalité, mais là je pense que on a tendance à extrapoler quelques traits de personnalité humaine yani sur une marque. Voilà, ouais. Carrément. Donc c'est quoi la marque, c'est quoi l'identité visuelle, ou alors la marque
هيومانيزي، وعلاش لحقنا وين ولينا مام لا مارك اون برون كوم اون لا برون كوم être humain. اونتيتي هيومان Ouais, كارينغ. ouais, ouais. Bon, brièvement, je pense à la définition classique d'une marque, c'est un logo, un slogan, une vision, une mission, c'est-à-dire la charte graphique, la mission, la proposition de valeur. C'est quoi ton rôle dans le marché ou qu'est-ce que la marque dit la vie? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme solution au consommateur. Mais là, avec la solution, avec la personnalité, très riche, tout ce qui est logo, couleur, slogan, et ainsi de suite. Partie intégrante de tout ça, il y a la ligne éditoriale, si on veut. Ou bien, avec la ligne éditoriale, on a fait le marketing moderne en tant que personnalité. La personnalité, les traits de personnalité qu'une marque utilise pour communiquer. Voilà, brièvement, on commence à détailler. Donc, les traits de personnalité. Bon, il y a les coulisses. Donc, de contre les coulisses, voilà. Donc, c'est le créateur d'une marque ou la taille de l'entreprise. Donc, il va choisir un des traits de personnalité et il va essayer de les ressortir à travers une marque. Voilà. Donc, ça serait. L'idéal, je pense. Est-ce que par exemple une personne ou là un créateur d'une marque ou là un chef d'entreprise, il met vraiment des traits de personnalité, les rahib ykhrejhom, est-ce que il peut ykhrejhom dans une marque? Oui, bien sûr, d'adrna là un entrepreneur, il gère tout dans son business. Machi elle a une grande boîte, il a un département marketing, il a une philosophie, oui. Ainsi de suite. Ce cas-là, il est pour quelqu'un qui un entrepreneur, il dit tout seul. Alors, il vaut mieux la personnalité qui sort de la marque, être la même personnalité d'elle. Effectivement. C'est-à-dire, être sans effort. Je voulais parler de ça à la fin comme conclusion. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler déjà là les traits de personnalité. Je ne vois pas les traits de personnalité qu'on peut utiliser pour communiquer. Il y a déjà avec un trait de personnalité très 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 intéressant, les voix, l'intellectualité ou bien l'intelligence. Ils sont en train de prendre des notes. Donc il y en a six. Oui, il y en a six. Le premier des six, c'est l'intellectualité. L'intellectualité, c'est-à-dire les leaders, les êtres humains, déjà, les êtres humains chez les marques. Un être humain qui est intelligent, des solutions à des problèmes ou bien une manière intelligente de faire les choses, il aura de l'influence, il aura de l'influence sur son entourage. Un retour. Voilà, le fait de partager avec l'intelligence, avec l'intellectualité, avec son entourage, avec le monde, on a en retour des gens qui veulent savoir plus de ce qu'on fait, nous demandent des solutions, nous montrent leurs problèmes, et ainsi de suite, pour qu'on les aide à trouver des solutions. Un exemple de personne intelligente dans le monde, c'est Einstein. La personne les marauds dans le monde en tant que la personne la plus intelligente de l'histoire humaine. Je pense qu'il y a une autre qui n'a pas été découverte, mais la personne qui a été découverte, c'est Einstein. Alors, le trait, il est aussi utilisé par d'autres, plutôt le trait humain d'ailleurs, il est utilisé par des marques. Oui. Une marque intelligente, un exemple d'une marque intelligente, c'est Tesla. Déjà, le fait de dire Tesla, déjà, on pense à les solutions très, très poussées, très, très intelligentes à des problèmes concrets. Elon Musk aussi. Elon Musk, ouais. Parce qu'il a créé vraiment d'autres trucs tellement géniaux que n'associer au gars ou chez Derhoa à des choses vraiment. D'ailleurs, même Tesla et son autre entreprise SpaceX, ils sont reliés à sa personne. C'est la marque personnelle d'Elon Musk. Et Elon Musk est quelqu'un qui est connu de son intelligence.
Actuellement, tu m'as dit même qu'on est une grande entreprise, ça a le trait de personnalité, le CEO, le leader. C'est la meilleure configuration. Il y a des cas, bien sûr, où le CEO, monsieur, ou le visage de l'entreprise, il est au devant de la scène. C'est plus le business moderne, les gens dans Silicon Valley, l'entrepreneuriat, où l'entrepreneur ou le chef d'entreprise ou la pièce centrale de l'entreprise. Tu me dis là, ils sont considérés comme une entreprise intelligente parce qu'ils ont trouvé la solution à la voiture électrique, premièrement, parce que la voiture électrique est petite, pas pratique, la batterie de 2 heures, on peut pas avec des difficultés pour te recharger, mais si je Tesla, ils ont des problèmes ou des solutions très innovantes. Le premier produit Tesla, c'était un Roadster. C'était une voiture de Une sport voiture de sport électrique. carrément, ouais, électrique. Ils ont pris le concept et ils l'ont retourné. Ouais. Ils ont créé, maintenant avec les problèmes, ils ont créé un produit de luxe, presque de luxe. C'est marrant avec le fait que c'est une solution intelligente. Maintenant, tu peux dire que les Tesla, c'est la marque intelligente dans le monde, pour l'instant, actuellement. Vous êtes, bien, Tesla et SpaceX en même Voilà, lieu. c'est les deux, Ou Akshift Kid c'est la qui. même personne. Voilà, SpaceX bateau Falcon Heavy, là, c'est Ouais. avec la fusée, la grande fusée, Falcon Heavy bateau. Ah, bateau fait un roadster de Tesla. C'est madame, les deux en Voilà, un. il est dans. Donc, quand il y a une voiture Tesla, elle va vers Mars, ce qui est très impressionnant. Ouais. Un co-marketing très impressionnant. ADC, la première, le premier trait. Donc, quand tu as une marque, oui, l'intelligence est importante, tu peux t'adopter le fait de l'intellectualité de la marque. Par exemple, il y a un centre de formation ou une solution avec nouvelle technologie ou l'énergie solaire ou Et comment on peut par exemple ressortir le terrain d'ailleurs? Je pense qu'on ne peut pas le dire directement. Et voilà, donc nous, notre marque, c'est l'intellectualité, là, par ouais. exemple, c'est l'intelligence. Voilà, donc. Mais Ça je se dit pense pas trop. Agda clairement. Oui, je pense trop. Je me la proposition de valeur. Donc, tu as, qui m'a dit, le problème mécano-kainé avant Tesla, ils ont créé des solutions intelligentes là avec les problèmes. C'est ça qui leur a donné le trait de personnalité de l'intelligence. Le fait de créer une voiture électrique sport, voilà, donc c'est sur la sur qui m'a dit, ils ont changé gars la donne à la voiture électrique. Voilà. Voilà. C'était le début. Donc, il y a des solutions pour l'énergie solaire, une montagne des batteries qu'ils mettent à la maison. Des batteries, ils les mettent dans le garage la journée. La maison de consommer même les panneaux solaires, on va être Le les charger vers la voiture. Tu m'as une solution électricité, la maison et la voiture. l'internet aussi, il y a pas satellite, ils sont Voilà. élevés à voir. Dans la colère, c'est un projet qui a les hadra mais parce que apparemment il y aura plusieurs opérateurs dans le monde yani, qui vont fermer la porte carrément Mais parce que ça va pas tarder. Ça va être la même chose pour la communication téléphonique. La communication, c'était par téléphone. Donc, la communication est beaucoup plus grande sur les réseaux sociaux et sur les réseaux Internet. sociaux, Le progrès, mais voilà. on ne peut pas résister à le progrès. Et Jane Harwin, ça va prendre le dessus. Je pense qu'on aura les Le autres deuxième. traits, voilà. OK. Bon, le deuxième trait qu'on pourrait mentionner, c'est la moralité. La moralité. Oui, la moralité, tu es différent de l'intellectualité. Il y a une personne, qu'on définit comme une personne de morale, c'est quelqu'un qui sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il D'accord. choisit toujours de faire ce qui est bien. Ça, on suit toujours sa moralité, son bon jugement et
On fait toujours ce qu'il faut faire pour les fins nobles. Très bien. C'est-à-dire la moralité. Tu as une personne Donc, c'est la morale. sagesse, La c'est sagesse, et ainsi de suite. voilà, l'équilibre. Voilà, tu as des personnes, tu as des exemples de personnes sages Des ou personnes morales sages dans le monde. Hein. sur le monde, voilà. Donc, Ouais. je pense, Mandela, Mandela, oui, Nelson Gandhi, Mandela, Gandhi, Gandhi aussi, voilà. Mère Teresa. Mère Teresa. Mais c'est des. Bon, Mère Teresa, Kenya. Bon, c'est pas notre sujet. Mais un exemple que tout le monde est d'accord, c'est Gandhi, Mahatma Gandhi, Gandhi. voilà. C'est quelqu'un qui a mené une révolte pacifique. La révolte est pacifique et on doit reprendre son indépendance, sa liberté, sans violence. On en sait quelque chose de l'IMAT, c'est ce Voilà, qu'on est en train de faire. justement. Et c'est Alors, pacifique ce que fait voilà. ce que nous faisons Voilà. avec les règles. Le point fort du pacifisme, c'est la moralité. C'est la moralité. Est-ce que tu peux atteindre une marque yani, qui Ouais. associe le trait à la Oui. personnalité de Oui, une marque internationale, le modèle de la moralité, ça s'appelle Patagonia. C'est une entreprise de création ou bien de fabrication de vêtements d'hiver. D'accord, vêtements d'hiver, oui. Voilà, tu as la randonnée, tu as la montagne. Alors, au Chidiro, bien sûr, les vêtements, avec la matière première, avec l'usine, avec la ligne Gars, la commerciale, la chaîne de livraison. voilà. Alors, on t'écoute le site, tu regardes les produits, c'est une veste d'ailleurs, et après, il y a l'impact sur l'environnement. D'accord. Tu cliques là avec le produit, tu reçois une carte, tu as de la matière première, tu as Oui. la ferme Flania, elle a été confectionnée, l'usine Flania, et tu as de la route, tu as le magasin. Oui. Donc on Alors, suit tu vois le l'impact sur l'environnement, le transport, tout ça. Alors, les pratiques de Ham, c'est des pratiques Bon, maintenant une question, je pense. Alors. Ouais, alors je vais continuer. Le fait qu'ils communiquent, le parcours, tu as le produit de Ham. Ils n'ont pas peur de communiquer comme impact sur l'environnement. La promesse de Ham, c'est que les produits de Ham, on fait de notre mieux, mais je connais un impact minime à l'environnement où tu es profite aux personnes qui fournissent la matière première. Parce que D'accord. généralement, le produit vient de la Chine, il vient de la Chine à très bas prix, À et très ainsi de bas suite. prix, à des conditions peut-être l'âme L'exploitation voilà, des travailleurs. exploitation et tout, voilà. Voilà, c'est moment il communique sur ça. D'ailleurs, le campagne marketing Tahamga dort sur ça, D'accord, c'est ça, sur voilà. la moralité du produit. Le mode digital, je pense qu'Inde a aussi le trait à la moralité, le fait que de donner des informations et tout, voilà. Partager son savoir-faire. Je pense que ça serait mieux qu'on a sur les téléados pour des nouvelles entreprises, que ce soit des startups ou là des entreprises nouvellement créées ou là sur des idées carrément. Voilà, parce que je pense qu'un créateur d'entreprise ou là même l'un sur une idée, mais à la belouche, dis-moi ce qu'il veut associer. Est-ce que un début ou là sur il va se dire que il sur le marché mais si chauffe quel est le tri qui Je pense à dire, va correspondre tu donnes la proposition de valeur, tu donnes déjà même l'étude stratégique du produit TAC. Le produit d'accord TAC, c'est quoi la solution TAC? En fait, ça dépend de la solution, trier un tri. Donc, d'accord on a jusqu'à maintenant, on a la l'intellectualité et moralité la et la moralité. moralité On a par exemple d'être une application de nettoyage. Donc, c'est la moralité. Logiquement, c'est la La moralité. moralité, Parce voilà. que nettoyer son environnement, c'est quelque chose. L'adhère parce que c'est quelque chose de bien. Très bien. Au lieu de salir, non, on nettoie. Alors, c'est de la moralité. Il y a une solution de formation, plateforme e-learning.
l'éducation en général, c'est quelque chose pour les pour intelligentes. Alors, tu peux trouver Oui, intellectualité. oui. Ou ça dépend. Il se peut même pour l'e-learning ou l'environnement, tu donnes d'autres traits. Mais ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Hadouma. Ou bien sûr, on peut détailler. Ça m'a aidé à une idée à la. Une boîte, une start-up, on peut Oui, analyser le. voilà. Donc, je pense que nous avons les autres traits. Je vais on va passer aux questions. Troisième. Voilà. Le troisième trait. On parle Il y en de. a six maintenant. Alors on a l'intellectualité La et la moralité. moralité. On va aller sur la La sociabilité. sociabilité. C'est-à-dire, c'est la plus fun, disons. Ça se trouve plus pour les produits jeunes. Toujours avec la personne sociable. Quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui est bon Oui. vivant, il propage la joie autour de lui. Mais si quelqu'un de formel, de sérieux, De carré, de voilà, voilà. exact, Une marque, effectivement. la joie de vivre avec attire les gens. Les gens aiment quelqu'un de bon vivant, ils aiment interagir avec lui, discuter avec lui. Alors, une entreprise qui adopte La le concept, sociabilité. par exemple, qui m'a certaines publicités de Coca-Cola, la Fanta, chauffe le truc de la La sociabilité. sociabilité. Chauffe un groupe de jeunes en train de rigoler, ou les déroulent un sport, ou les déroulent des blagues entre eux. Pour montrer le côté sociable de la marque. C'est une marque fun. Très bien. Un autre exemple, plus concret, quand on aura sur le marketing digital. J'ai vu le post de PlayStation France. Le compte Twitter de PlayStation France. Un utilisateur, il a un problème sur la touche, la manette. C'est quoi la solution? Alors, tout de suite, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a le compte Xbox, vous répondez à l'eau, avec une photo de la manette Xbox. Alors, on vous propose ceci. C'est ça la Donc, solution. Voilà, carrément il a fait la compétition sur sur le compte. Internet. Voilà, le fait, la réactivité, l'intelligence, c'est de la sociabilité. C'est quelque chose qui donne sourire et qui donne une personnalité positive. La marque. Mais La marque. il n'a pas pensé carré ou là. Il a répondu avec une blague, une requête sur le compte Twitter d'un concurrent. C'est ça un peu le trait de sociabilité. Et pour dire, les voilà, par exemple, avec le concurrent, ce n'est pas un concurrent, ou un de les qualités, il est là sur le marché, qui m'a qui m'a un sur le marché, on offre les mêmes produits et on n'est pas qui m'a On est plus fun on est on voilà est plus on est plus fun décontracté. décontracté Voilà, que la marque voilà décontractée peut être attirante. Le quatrième trait donc la moralité l'intellectualité la sociabilité et Un il quatrième nous reste trait, trois ah ouais. Quatrième trait, on y va pour la personnalité. La personnalité, il y a une personne qui a une forte personnalité, c'est quelqu'un qui peut admettre ses erreurs. Qui dit une erreur, il vaut mieux l'admettre et promettre de la corriger. Je dis D'accord. non, c'est pas de ma faute. Qui a dit que c'est pas de ma faute, c'est personnalité faible. Mais quelqu'un Effectivement, qui a une forte effectivement. personnalité, il peut admettre qu'il a un et il va se corriger. Alors, on a un exemple de trait de personnalité. C'est une compagne de Domino's Pizza. C'est une chaîne pizza américaine, je pense très connue. En 2010, quand ils ont des problèmes, de gros, gros problèmes sur la pizza. Les gens, les magasins d'Emin Farré, ils venaient pas. Ils disaient que la pizza était comme mauvaise, ça a un goût de carton.
ما فيهاش سي با دو فري فرماج اللي تستعملوه. ايوه الوغ او ليو دو ديشابي ا سي بروبليم واش داروا؟ خدموا ان كومبان ماركتينغ اوتور دو سو بروبليم. جابوا ان جروب دو بيرسون عطاو لهم لي بيتزا باش يدوقوهم، ايزون فيلمي تشوف لهم فوكس جروب. ومن بعد هذوك الناس ايزون دوني دي كريتيك، ils notent, ils ont noté toutes les critiques. D'abord donc les critiques où Rahou a dû là où il cuisine pour créer une bonne pizza. Ils ont réglé gars donc les problèmes de la pizza. On va être d'où tu m'as fait la vidéo de la campagne publicitaire. D'où la nouvelle pizza où d'où un des donc les personnes qui ont les mêmes personnes les canaux le focus group. Alors chaque personne ils ont goûté la nouvelle pizza et هذاك الوقت سيتي اون كومباني داروها في تو لي زيتازوني اي سا مارشي ميرفيوزمون اون كيلك سورت. يعني سي اون انكات اسمح لي برك، دونك سي اون انكات سي ان بانل كي زون في فوالا، مي او ليو دو لو فير اون انترن دونك اي زون كاريمون ديبيغي سا سي يعني افيك اون جور اون كومباني كاريمون. ايزون ترانسفورمي اون فيبلس اون فورس en opportunité. Voilà, en opportunité. Voilà, exactement. Voilà. C'est le fait de reconnaître ses erreurs peut servir comme comme un moyen de relancer sa marque, de relancer son business. Même un client il chauffe يعني هذا le trait comme un trait très très important. Je pense que surtout هنا هنا en Algérie, le fait de dire la vérité ou là de reconnaître les points faibles, le client va voir ça, c'est ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a comme point faible. Oui. Ou surtout, il a cherché les points faibles, où elle est, mais je n'ai pas, donc, mais c'est comme je fais avec le produit, voilà. Donc, il va se dire que voilà, c'est un produit, il est, comme point faible. Il n'y en a pas d'autres. En plus, ils font des efforts pour le corriger. Et ils font des ouais, parce que ils le disent, ils le disent carrément. Le cinquième point. Le cinquième point, c'est la physicalité, la l'attirance physique. D'accord. Il n'y a pas de secret. Un être humain, il a une bonne physicalité, une belle coupe de cheveux, magique et magnifique. Ouais, il est une attirance envers quelqu'un qui est beau. Oui. Alors, une icône, t'as la beauté féminine, voilà, comme Marilyn Monroe ou la ou la plus récemment Taylor Swift et Angelina Jolie ou la d'autres. C'est pour ça qu'on rajoute donc à les photos, Instagram. Le recrutement est un commerciaux, non? Parce que donc, bon, un acheteur sur le bizarre, il faut qu'ils me disent la photo tech de la tête aux pieds. Oui, ça se faisait avec les hôtesses et les stewards, mais genre, je me suis dit, genre, pour les commerciaux aussi. Les voilà, hein. Ouais. Peut-être, oui. On a une question. Voilà, donc, déroulez l'écouteur et nous pourrons prendre la question. Let's go. Allô. Alors, on va recevoir dans un moment. Allô. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes prêts? Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, très bien. Alhamdulillah. En fait, merci pour le sujet. Merci pour le sujet d'aujourd'hui. En fait, c'est un sujet vraiment qui... Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce sujet. Tout ce qui est community management, tout ce qui est marketing digital. En fait, j'ai une question pour M. Abdelé. Oui. C'est quand est-ce qu'on peut déterminer, en fait, le moment pour mettre en avant les valeurs humaines de la marque? Bon. Il n'y a pas de moment de commencement et moment de fin. C'est une partie intégrante de la marque d'hier. Où là, au minimum, d'accord. Dans il a remonté en tant que campagne marketing, qu'on a dit que le trait de personnalité, il fallait que la campagne marketing. Parce que ma bêche est d'être une loule, mais on avait dit que la première. Dès l'établissement d'une stratégie, ou d'une proposition de valeur,
نبداو نحطوا لا بيرسوناليتي تما، سيتادير توت لي ديسيزيون كون برون من بعد في الماركتينغ يتبعوا هذاك لي تخي بيرسوناليتي. تسمى سي با كيك شوز اللي نديروها بور اون شوز اي با بور لوتر. سي اون سوي لا موراليتي باغ اكزومبل اون لو في دون تو. باغ اكزومبل ميم إذا vous êtes une marque qui communique avec la moralité, il est bien aussi de mettre ça, même le bureau comme par exemple en qualité, bien sûr. Matière de préservation de l'environnement, on n'imprime pas les oui, îles oui, et bien ainsi sûr. De suite. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre D'accord. question? Oui, c'est bon. Parce que apparemment, parce que j'ai raté le début de live, Oui. on n'entendait rien. D'accord. Donc, je vous remercie, Monsieur Abdelli, et Merci. bonne soirée. Merci, merci, Patricia. Bon courage. merci. Merci Merci. pour l'appel. D'accord. Alors, donc les traits, de De personnalité personnalité. d'une marque doivent suivre la marque, il y en a carrément, et non pas une campagne C'est de pas, GP ouais, Trust. c'est pas quelque Voilà. chose de ponctuel, Voilà. c'est partie intégrante Éphémère, de non. la marque. Donc ça suit Ouais. la marque jusqu'à Ouais. Qui m'a Tesla par exemple, on n'imagine pas Tesla créer des solutions commerciales. Dans le cas Tesla, il faut qu'il continue à créer des solutions intelligentes, innovantes, ou Innovante. d'amener au plus le niveau. Très bien, C'est très ça. bien. Le Maintenant, dernier ouais, trait de je parlais de caractère. physicalité, mais je n'avais Voilà. pas encore terminé. D'accord. Elle a des personnes. Des personnes qui sont attirantes, bien sûr, attirent les gens autour d'eux. Une marque, t'intégrer à de l'attirance, c'est à travers ses couleurs, son logo, son slogan, le nom de la marque. Par exemple, Ketraman Nike, Voilà, oui. le logo mythique de Nike, les couleurs très sobres, noir et blanc. La plupart du temps, ou le slogan Just Do It. Ça, Voilà. c'est un logo très fort où il communique la physicalité. Ou un autre exemple là, c'est Apple. Apple, le design de home, ils ont révolutionné le téléphone, par exemple. Le design de home depuis toujours a été la priorité à la Oui. finesse, à la beauté. Même l'Apple Store. C'est des magasins اللي تروح تحوس فيهم توريزم ماشي تروح Bien تشري sûr. ماشي تروح تشري وتحس بلي البرودوي هي une différence par rapport aux voilà autres bien sûr les marques magasins. elles ont suivi kima les grandes marques kima Samsung et Huawei ou dorka tous les smartphones يشبهوا les iPhone انا par exemple D'accord. c'est pas un iPhone mais يشبهوا بزاف Voilà. alors ils ont créé une tendance de beauté dans un secteur qui est très hardware, Technique, très très technique. technique, voilà, Voilà, très au lieu technique. de plastique, là, ils ont des matières un peu plus nobles, Oui, au lieu voilà. de trucs carrés qui ont plus de finesse. Effectivement. Alors voilà, ils sont les leaders en matière de beauté, de physicalité. Alors c'est pour ça qu'ils ont été, mais je d'occasion, on peut toujours les qualifier comme leaders du marché. Mais ils ont été Sur, leaders bien pour bien longtemps. même sur, je pense, L'intellectualité. Ouais, l'intellectualité, le premier voilà, trait, ouais, il est très présent l'intellectualité, and à Apple. Apple, ouais. C'est parce qu'ils ont toujours été innovants. Oui. Donc, même le trait, il est aussi adopté dans le cas par Samsung, la compétition d'Apple. Donc, par exemple, une marque, deux ou trois traits. Exactement. D'accord. Ouais. Bon, je suppose que un trait qui est Dominant. dominant. Au Et coup peut-être de un ou deux, ouais. voilà. Au coup de d'un autre trait, ça devient plus difficile à gérer. Parce Voilà. maintenant, en tant qu'entreprise, de l'approche de la marque humaine, la plus facile et la plus naturelle est avec le temps, la diversification. Et c'est risqué aussi, Bien sûr. diversification, parce que sur les gens, ils vont pas identifier avec la marque par rapport à un seul Un trait. seul trait, ouais. Voilà, et pour le non, avec elle représente la personnalité, ou d'autres pour le non, elle représente de la moralité. Mais le fait de se disperser, ils peuvent même perdre
des clients carrément Ouais. et des parts de marché. Voilà. Le sixième trait. Sixième et dernier trait, bon, on avait parlé de Nardo, l'intellectualité, la moralité, la sociabilité, la personnalité, admettre ses erreurs, la physicalité, la beauté, et la dernière, une qui est très forte et utilisée d'une manière très, très large, c'est l'émotivité, ou bien montrer ses émotions. Alors, l'émotivité, ça veut dire quelqu'un, ne doit toujours la personne, quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de partager ses sentiments, par exemple, qui m'a les artistes, les poètes, les chanteurs, d'ailleurs, ils partagent leurs sentiments. Ben, une chanson d'amour, l'artiste, il est investi avec la chanson. Ben, je sais que là, mais de l'extérieur, on voit qu'il est vraiment dedans. Ou tenez, avec un poète, لازم ما هي عاطفة الشاعر par exemple. لازم تكون عاطفة الشاعر قوية. Sinon, ما تحسش بهذاك le Bien poème. sûr. Il n'est pas vrai. En tout cas, Ah. Damien a plus oui. Oh, Voilà. il a toujours été rêvé. Oui. Alors, voilà, c'est le fait de montrer son émotion, ça peut être attirant pour les autres. Une entreprise qui fait, elle peut montrer son émotion. Nous l'exemple de Coca-Cola. Le slogan de Coca-Cola, c'est Open Coca-Cola, Open Happiness. C'est-à-dire le fait que tu tires Coca-Cola avec des amis, c'est déjà un Un moment de bonheur. bonheur, de sentiment d'appartenance à un Oui. groupe. Ou là, tu as cher Coca-Cola ou The Friend. زعما لو نوت تروح تشري ان كوكا كولا تلقى اسم تاعك ولا تاع تون امي ولا تاع كيلكان دو لا فامي. لو فات دو دوني اون بوتاي كوكا كولا افيك لو نو دو هاديك لا بيرسون شير، اون ا بارتاجي اون ايموسيون. الوغ ليموتيفيتي هادي elle est très forte et elle crée un attachement envers la marque. Qu'un un autre exemple encore plus émotif. C'est un exemple de Dove. Dove, vous pouvez chercher sur YouTube, ça s'appelle Dove Self-Portrait. Alors, une personne qui est dans une salle d'attente avec d'autres personnes, c'est à son tour pour passer chez quelqu'un qui fait le portrait robot. Alors, tu à l'intérieur, vous mettez au bien sûr, vous allez dire, vous avez fait le portrait robot. Vous avez fait le portrait robot. بعد يرسمك على حسب انت كيفاش تشوف روحك. تقول له عندي هاج فرطاس، راني في كبير، وجهي مدور، ولا نيمبورت كو. الوغ هو يرسم هذوك لي تخي اللي انت مديتهم. انسويت تجي واحده من لي بيرسون اللي كانوا معاك في لا سال داتونت، ويقول له وصف لي هذاك الشخص، لا ميم بيرسون. من بعد هو يبدا يرسم هذيك لا بيرسون، تشوفك دون مانيير ديفيرونت فينالمون، تشوفك ما تشوف ما Alors que ترماركيش باللي انت فرطاس، ما تشوفش نفسك باللي كبير بزاف، وحناك ماشي منفخين فريمون. تسمى انت تكزاجيري لي تخي نيجاتيف فيك، L'image. توجور تو لي زيكزاجير. ومن بعد كي تخلص هذيك لا فيديو يوري لهم لو ريزولتا، من بعد تما تحس ان مومون ديموسيون وين لا بيرسون تقول وي فينالمون جو سوي ترو دور افيك موا ميم. Voilà. فوالا، تسمى سا كري ان مومون ديموسيون. Ou toute la campagne marketing là avec le moment d'émotion. Elle a l'émotion avec, oui. La campagne Semina Real Beauty Campaign. Ça parle de la vraie beauté de la personne, mais c'est de la beauté imaginée, Oui. ou là avec la beauté dans les magazines, dans Instagram, Artificielle, voilà. dans les filtres, et ainsi de suite. Mais le fait qu'il y ait l'émotivité dans la marque, il peut y avoir un très très grand impact à l'audience ou les consommateurs. Oui, je pense que le trait de caractère, c'est le plus influent et c'est le plus fort. C'est le plus Parce que utilisé aussi. utilisé aussi. D'accord, ok. Bon, j'ai une question. Est-ce que c'est une liste exhaustive, par exemple? Est-ce qu'il n'y a, y a pas d'autres traits de caractère? Et là, il faudra, par exemple, se limiter à Je pense à l'hisab l'analyse des six traits de d'experts, caractère. Hadouma les six traits principaux. Même pas principaux, je pense. Très difficile de trouver d'autres. Sinon, des trucs exotiques, mais je pense the safe zone, les traits de personnalité positifs que tout le monde comprend, Hadouma.
ومعاد لي تالي هادو دو Voilà. كاركتر. Voilà. تخي بيان تخي بيان. تسمع chacun de يشوف لا بروبوزيسيون دو فالور تاع البرودوي تاعو ويناليزيها لوكيل يجي معاها بور تسمع لوكيل دي سي تري اي لو بلوز ابروبريي لا كوميونيكاسيون تاعو بور لوتيليزي. اخ ناصر، كالي لو كونساي اللي تقدر تمدو لهاد لي بورتور هادو دو projet. Je sais que c'est difficile de faire toute une recherche sur ça, d'accord, les PDF sur internet, les vidéos sur internet, mais un porteur de projet, un entrepreneur, mais de chlot la chauffe. Donc où je nous le conseil les traders d'atelier bêche d'utiliser les traits de caractère bêche et personnaliser la marque. Je pense oui, comme on a dit, tout dépend du produit offert. C'est quoi le produit tech? Ou bash met un effort considérable ou kbir, il faut que ça se rapproche d'anim les traits de personnalité tech. Et quand tu es une personne intelligente, il faut adopter hadith le concept. Si tu es une personne sociable, fun, tu peux t'infuser la personnalité tech dans la marque. Parce que c'est le plus facile. Au lieu de tu fais des efforts pour devenir intelligent, ou tu es quelqu'un de sociable. Bien sûr, quelqu'un de sociable, il est aussi intelligent. Mais il a le trait dominant, la sociabilité, le fun, tu peux t'infuser dans la marque. De fait que les campagnes marketing, la communication, tu peux d'une manière naturelle, mais si trop réfléchi. Et ça va durer aussi dans le temps, parce que il y a par exemple une idée ou là par exemple un concept باش يدير l'un des traits تاع هاد لي كاركتر بصح هو ما يقدرش ينوفي على شاك فوا ما يقدرش يكمل فيه فوالا ما يقدرش يكمل فيه اذا انت تقول انا نروح سور لا موراليتي مي ما راحش انت تكون لو بورتور تاع هذيك لا موراليتي تاع هاد لا موراليتي سما سا فيت ديفيسيل ايفيكتيفمون اي جو بونس اوسي كو عندها une relation peut-être مع le produit ou là le service هذاك اللي راهو ثاني كيمدو مع la communauté تاعو مع peut-être le marché تاعو et tout parce que avant tout c'est vrai que bon on pense à lancer par exemple un produit ou là carrément un service sur le marché mais genre on se dit que هذا le service هذا ولا هذا le marché يمشي مع un ou deux traits de caractère donc ils me خير منهم donc déjà c'est restreint par rapport au produit et par rapport au marché. C'est un exercice de. C'est un puzzle. Les pièces qui sont en place pour que tu puisses faire une campagne cohérente et ne pas t'aider. Parce que le marketing, le plus grand problème pour le marketing, c'est que parfois ça prend du temps de le réussir. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Tout au long de la journée, on fait des efforts. Alors, ça peut être un problème. Très bien, Khnazar. Donc, je pense qu'on va clôturer. Voilà. En tout cas, il y a des Saha. Donc, je le dis maintenant et au nom de l'équipe à la Kulihal et la communauté Lema Digital. Parce que Lema Digital, c'est un projet. Collaboratif avant tout. Donc, on lance une information. Le site Lema Digital donc en ligne. Oui. Donc, c'est lema-digital.com. Donc, on va faire les lives, on va faire le contenu de nous. Et il y a un workshop samedi. Voilà, là راح يتندار. Bon, on يقولون بلي la caméra راح تطفى. Donc نخلي لك la dernière parole. Ouais, يعطيكم الصحة, merci pour l'invitation. تحياتنا للرجال الخفاء اللي ما بانوش في الكادر. نفتحوهم علاش. يعطيكم الصحة, merci وليد. وسورتو فارس aussi. Et فارس. يعطيكم الصحة. Alors je vous souhaite plein de courage. Ou je serai ravi de revenir inshallah une autre fois vers un autre sujet. Ou si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez me contacter sur Facebook, Nasser Abdelli. Sinon, sur la page Digitalent,
Voilà. D'ailleurs, le sujet, c'est un des sujets les nahdra la formation interne, il y a le Voilà. how to du marketing digital. Vous D'accord. pouvez nous envoyer des messages sur la page et on va vous répondre. Mahbabik. Très bien, à comme ça, merci beaucoup. Thank you Oh, very much. bonsoir. À comme Bonne ça. soirée et à la Salam. prochaine. Salam. À la khair. Salam.